Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo point actu point astro de la pleine lune, la première pleine lune du printemps. C'est, vous savez, on est rentré dans le printemps, c'est-à-dire quand le soleil rentre dans le bélier, c'était le 20 mars dernier, donc il y a deux jours, je ne sais plus quel jour on est, enfin vous regarderez dans le calendrier, peu importe. Voilà, donc le rendez-vous habituel, le rendez-vous mensuel de la pleine lune pour faire un petit peu le point de la situation sur les événements et puis sur l'évolution de ceci au fur et à mesure de l'avancée de ce printemps. Alors, si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui me suivent, merci infiniment au passage. Vous savez qu'on vous a annoncé que le ciel allait se tendre de plus en plus au fur et à mesure de l'entrée dans le printemps. Le point, entre guillemets, enfin c'est pas le point culminant, mais la signature de ce printemps, c'est une signature avec une énergie extrêmement tendue, une signature d'énergie de tension matérialisée par la conjonction des deux planètes, Jupiter et Uranus. Uranus, la planète des révolutions, la planète de l'individuation, la planète de l'autoritarisme, et Jupiter qui est un petit peu la planète sociale, mais qui surtout a tendance à vouloir amplifier ce mouvement de révolte et d'autoritarisme. Conséquence de quoi ? Eh bien, cette conjonction qui va être effective le 21 avril prochain nous fait connaître de plus en plus de tensions. On est déjà dans l'orbe de cette conjonction, ça ne vous a pas échappé qu'il y a quand même un certain nombre d'événements qui sont en train de se produire. J'ai bien évidemment une pensée toute particulière pour les familles russes qui ont été endeuillées au cours du dernier attentat. Je vais en reparler de cet attentat. Il y a des choses un peu bizarres hein, quand même, hein, je ne vous cache pas. Bon, peu importe, on en saura peut-être le fin mot, enfin, je l'espère. Toujours est-il, ne soyons pas surpris si les choses commencent à se corser, à se tendre et à s'exprimer de plus en plus dans la violence. Et l'attentat qu'il y a eu à Moscou n'est que, entre guillemets, alors, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais potentiellement, ça ne peut être qu'une mise en bouche. Ça se passe en Russie, ça va certainement à un moment donné arriver en Occident, en Europe. Et bon, encore une fois, on ne va pas vivre dans la peur, mais on vous a prévenu, hein, je ne suis pas le seul d'ailleurs, par rapport à cette année 2024 qui allait quand même être très tendue, très chaude. Donc, voilà, il ne faut pas être surpris, il faut aussi être un peu préparé que le climat planétaire n'est absolument pas câlin et on va aller vers de plus en plus de blocages, de choses rudes. Je ne sais pas, enfin bon, le vocabulaire, évidemment, le champ sémantique, il est assez vaste concernant tout ce qui peut relever d'événements de tension. Mais on est vraiment là-dedans et plus on va avancer dans l'année et plus ça sera tendu. Le point de départ, la porte d'entrée, bon, je dirais bien sûr, c'est le fait que le soleil passe en bélier. Donc ça, c'est effectif depuis 2-3 jours. Mais plus ça va aller, plus on va rentrer dans ce mouvement de tension. Alors, le 21 avril, Jupiter-Uranus ensemble. Jupiter-Uranus, pour mémoire, j'ai déjà eu l'occasion de le présenter. C'est ce qui a donné la Révolution française. C'est ce qui donne aussi lieu à des crises économiques. Autant vous dire que la tension économique, elle est d'actualité, particulièrement pour la France. Les chiffres, les résultats économiques du pays sont catastrophiques. Quand je dis catastrophique, c'est qu'on est arrivé quasiment à un point de non-retour en matière d'endettement, en matière de déficit commercial. C'est une catastrophe. J'ai fait un post dernièrement par rapport à ça. Là, très franchement, alors je ne suis pas un économiste, je préfère tout de suite préciser le cadre des choses, mais néanmoins, il ne faut pas être grand clair, il ne faut pas être un grand économiste pour comprendre que la situation va devenir très compliquée pour nous autres Français. Ne vous inquiétez pas, on ne sera pas les seuls dans ce bateau-là. Les Allemands, ça risque d'être encore pire, mais là, on est vraiment mal. Je ne sais pas du tout comment la France va pouvoir payer son endettement, surtout si elle reste dans l'euro. L'euro qui est une monnaie
très forte, beaucoup trop forte. Il va falloir que l'euro se dévalue. De toute façon, on va, à un moment donné, on ne va pas avoir le choix. Donc, tension économique, il n'est pas impossible d'ailleurs que les capacités d'emprunt de l'État français s'amenuisent, pour ne pas dire se ridiculisent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un État où le taux d'endettement risque d'être supérieur au bilan de l'État français. C'est-à-dire qu'on on possède plus de dettes que de richesses intérieures. C'est quand même assez compliqué après pour rembourser. La conséquence de tout cela, la conséquence, elle est très simple. Ça veut dire que sur les marchés financiers, l'État, peut-être qu'il va pouvoir continuer à emprunter, mais à des taux qui vont devenir complètement usuraires. Donc, à un moment donné, le service de la dette, c'est-à-dire l'argent que l'on met pour rembourser le coût de la dette, va devenir absolument faramineux et au-delà de nos capacités de remboursement. Alors, ça veut dire qu'après, il y a toute une cascade qui s'ensuit, hein. C'est le salaire des fonctionnaires, c'est nos investissements, notre capacité d'investissement en matériel, en infrastructure, c'est aussi les retraites, etc., etc. Ça va devenir compliqué. Alors, on ne va pas hurler avant d'avoir mal, il faut juste prendre conscience qu'aujourd'hui, on a des génies qui sont responsables de cette situation et qu'à un moment donné, il va bien falloir prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir résoudre cette problématique. Concernant l'actualité, les autres faits d'actualité. Alors évidemment, il y a le bribriguette. Je crois que j'ai commencé à éviter de parler ouvertement des mots. Le bribriguette a explosé, là, il y a une quinzaine de jours. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de tomber alors, sur un acte de naissance qui me semble assez authentique, l'acte de naissance d'un certain JMT, donc associé au bribriguette. Alors là, je peux vous dire, évidemment, en tant qu'astrologue, je me suis précipité pour monter le thème et savoir si ce thème pouvait potentiellement être celui d'une personne ayant fait une transition de genre. Et autant vous dire que ça marche, mais à un point, c'est redoutable. Alors après, attention, hein, en astrologie, je vous le répète assez souvent, le ciel influence mais ne détermine pas. On ne peut pas dire que c'est parce que le thème présente des prédispositions que la personne va forcément vivre cette transformation. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un thème éminemment transgressif, avec une personnalité qui est d'ailleurs assez difficile, assez influençable, assez charismatique, cela étant, mais des choses qui sont quand même un peu floues quant à l'orientation. Je ne peux pas trop m'étendre sur le thème, d'ailleurs il faudra que je vous le présente, mais d'une façon générale, ça n'est même pas déontologiquement très correct. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce thème-là, eh bien, si on devait jouer à l'aveuglette, dire, ben voilà, ici il y a une personne qui a fait une transformation de genre, on nous présente plusieurs thèmes à l'aveugle, ben forcément celui-ci, je dirais, il est quand même assez remarquable. Il est d'autant plus remarquable que, en termes de réactualisation, en termes de transit sur ce thème, là aussi, ça fonctionne plutôt bien. Hein, la conjonction Jupiter-Uranus dont je viens de vous parler, eh bien, elle joue en plein carré sur le Soleil, donc comme s'il y avait quelque chose qui devait bouger, qui devait bousculer l'identité de la personne. Et au même moment, on a un transit de Pluton sur la Lune. Pluton sur la Lune, ben c'est une excavation de tout ce qui est caché, de tout ce qui est notamment autour de la féminité. Donc des choses qui peuvent parler et qui devraient se mettre à parler dans les semaines qui viennent, ou plus exactement dans les mois. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une révélation immédiatement là, dans les semaines, les jours, les semaines qui viennent, mais
au passage de l'été et puis surtout au début de l'automne, bah on verra. Hein, mais ça pourrait vraiment signifier que ce thème est tout à fait correct. Et pour le coup, je ne serais absolument pas surpris que l'affaire, alors elle a éclaté aux États-Unis, mais que l'affaire arrive vraiment et prenne de plus en plus de puissance en France et amène à un bouleversement, une complication. On va dire une complication, je vais mesurer mes mots, hein, une complication politique sur la personne du président au tournant de l'été, entre l'été et l'automne. Mais encore une fois, hein, je vous l'ai déjà dit, pour la politique française, pour la situation française, là, les choses vont commencer à devenir de plus en plus tendues. On va aller vers de plus en plus d'autoritarisme de la part du président, parce que tout simplement, il est en train de perdre pied, hein, et que cette conjonction Jupiter-Uranus va le pousser à faire preuve d'autoritarisme, mais une autorité qu'il n'a plus. Hein, et malheureusement, en plus de ça, cette conjonction Jupiter-Uranus, si vous voulez, elle est très éthérée. Elle ne favorise pas l'enracinement. Donc ça veut dire qu'on peut avoir affaire à une personne qui, si elle est... Et d'aucuns ne pourra le juger, on peut quand même s'inquiéter sur sa santé mentale, eh bien cette conjonction Jupiter-Uranus ne va pas arranger les choses. Donc, alors, c'est ne va pas arranger les choses pour lui, mais par voie de conséquence, pour nous, parce qu'il risque de devenir de plus en plus... enfin, de perdre pied, quoi, et d'avoir des excès d'autoritarisme de plus en plus irréfrénés, si je puis dire. Donc là, on rentre hein, vraiment dans les difficultés. Donc j'ai parlé de l'économie, j'ai parlé du Brigade. Je survole hein, volontairement les choses parce que de toute façon, il va falloir vivre les choses telles qu'elles vont se présenter. On a une autre actu. Alors, on m'a questionné par rapport à la situation en Angleterre autour de la famille royale. Alors, si, pour celles et ceux qui me suivent, si vous vous souvenez, l'année dernière, au moment du couronnement du roi, j'avais soulevé l'hypothèse que ce règne pourrait être de courte durée, entre 1 et 2 ans. Et de fait, la conjonction Jupiter-Uranus, toujours elle, est en train de jouer contre le prince Charles. Alors le prince Charles, non, il est roi maintenant, il faut que je m'y habitue, donc Charles III. C'est compliqué, je ne vous le cache pas. C'est d'autant plus compliqué que sur le thème de sa belle-fille, donc Kate, eh bien, il y a des incidences. Alors en ce sens... j'ai du mal à voir sur le thème que j'ai par rapport à Kate. Alors, sachant que il y a deux thèmes qui circulent pour Kate Middleton. Ce que je pourrais vous en dire, c'est que globalement, en ce qui concerne le thème de Kate, les mouvements des astres tendraient à indiquer un jeu de chaises musicales. C'est-à-dire que non pas... alors peut-être souci de santé, oui, bon, pourquoi pas. De toute façon, elle vient d'annoncer qu'elle a un cancer, certes. Mais moi, ce qui m'a davantage frappé, en tout cas sur le thème que j'ai, hein, je prends vraiment sous toute réserve hein, que ce thème soit authentique. C'est un thème avec un ascendant lion. Ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'on pouvait avoir plutôt une évolution, une affirmation sociale, bah, du style, elle monte sur le trône, hein, avec son mari, naturellement. Hein, c'est-à-dire qu'elle est susceptible de devenir reine. Et alors là, en termes de chronologique, j'aurais tendance à vous dire, ce serait entre le printemps de cette année et le printemps de l'année prochaine, mais avec surtout une focalisation, encore une fois, sur l'automne 2024. Alors, d'ici à vous dire que le roi Charles passe de vie à trépas dans le courant de l'année, c'est une hypothèse réellement établie. Souci de santé plus grave pour Kate Middleton, moi sur le thème que j'ai, je n'ai pas cette lecture-là. Maintenant, encore une fois, je mets beaucoup de réserves.
Voilà un petit peu donc ce que je pouvais vous en dire sur cette problématique-là. Concernant l'évolution maintenant de la situation générale en France, économiquement, je viens de vous en toucher quelques mots. La situation politique, elle va se dégrader, elle devrait se dégrader de plus en plus. Et surtout à l'approche des élections européennes et à l'approche des Jeux Olympiques, ça va devenir de plus en plus compliqué. Les élections européennes, elles ne vont pas se dérouler sous un très très bon climat. Je pense que certains vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Je vous ai déjà parlé d'Asselineau par rapport à ça. Par contre, un coup de gueule, quoi. Entre Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan et... excusez-moi. et puis, qu'est-ce qu'il y a, Lalanne, tout ça. Tous les gens qui voudraient être souverainistes, qui se déclarent souverainistes. C'est très bien. Moi, j'avoue que j'ai une certaine admiration pour Asselineau. Une certaine admiration, puis d'un autre côté, il est très agaçant. Mais c'est un homme brillant, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a une grande connaissance. Par contre, il a le melon, quoi. Mais attendez, c'est pas une insulte que je fais, c'est juste un constat. Je dirais qu'il y a vraiment un coup de gueule parce que les souverainistes, s'ils ne se réunissent pas, c'est pas la peine qu'ils y aillent, quoi. C'est pas la peine. Là, ils font de la politique à l'ancienne méthode. C'est une politique d'ancienne école. C'est pas comme ça que ça peut marcher aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le fait que Pluton, cette planète super lente, qui vient de rentrer dans le Verseau et qui nous indique une nécessité de transformer la société vers des valeurs de type Verseau. Alors le type Verseau, les valeurs Verseau, c'est quoi ? C'est l'individu dans le groupe. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se la jouer collectif. Et surtout en matière politique. Et là, pour l'instant, nos leaders souverainistes n'en prennent pas du tout la direction. Ils sont plutôt en train de jouer personnel, de se dire « Ouais, on veut se rassembler, mais en fait, c'est l'autre qui ne veut pas. » Non, stop, quoi, les gars, c'est bon. Quoi. À un moment donné, je crois que faut accepter le fait que c'est le peuple qui décide. Et certainement que si aujourd'hui on faisait un référendum ou en tout cas un vote, les Français vous intimeraient l'ordre de vous rassembler pour présenter une liste commune aux élections européennes. Et à ce titre-là, effectivement, il y aurait la possibilité qu'il y ait de beaucoup d'élus souverainistes au Parlement européen et ça pourrait changer éminemment la donne. Faute de quoi, je pense qu'Asselineau va être élu et je pense que c'est son rôle et sa place d'ailleurs d'être au Parlement européen. Mais si ça se trouve, il sera tout seul. Il n'aura pas d'autres députés avec lui. Donc, quel poids aura-t-il dans la Chambre européenne ? Voilà. Quand on divise les forces, forcément, on ne règne pas et on ne peut pas faire bousculer les choses. Bon, c'était mon petit coup de gueule. Encore une fois, c'est un coup de gueule de stratégie politique. C'est pas un coup de gueule vis-à-vis des personnes parce que je pense qu'ils ont tous quelque chose à dire, ils ont tous quelque chose à apporter, ils ont tous compris quelque chose. Et certains plus vite que d'autres. Néanmoins, c'est pas parce qu'il y en a qui ont une antériorité de vue qui a plus de 10 ans, entre 10 et 20 ans, ce qui est le cas de François Asselineau, c'est vrai. Il faut le reconnaître, mais ce n'est pas parce qu'il a cette antériorité-là qu'il a le monopole de la contestation européenne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc les élections européennes, de toute façon je vais y revenir sur ces élections, ça va devenir un sujet d'actualité. Après on a les JO. Les JO, comme je vous l'ai déjà annoncé plusieurs fois, ça va être compliqué. Néanmoins, je pense qu'ils vont avoir lieu. C'est quelque chose que je peux voir sur le thème des principaux responsables des Jeux Olympiques. Ça a l'air de matcher, ça a l'air de fonctionner. Par contre, ça va être compliqué. Et ça va être d'autant plus compliqué pour la France et pour le gamin qui va devoir s'exposer à peut-être certaines humiliations. Voilà, chers amis, je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. C'est un petit point qui est un peu une redite de ce que j'ai déjà présenté auparavant. Mais par contre, on constate que cette montée en tension que l'on vous présente depuis plusieurs mois, même depuis l'année dernière, elle est en train d'arriver, elle est en train de se faire.
on le constate tous les jours et ça va bousculer de plus en plus. Voilà, là-dessus, bah, écoutez, je vous laisse sur ces quelques images du printemps breton. Alors, on oscille entre le soleil et la grisaille. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon dimanche. Au revoir.